Bonjour à tous, ici Gabe1521, aujourd'hui nous sommes sur Forza Horizon 3. Je me calme un peu. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu de Forza Horizon 3. La Trailsinneuse. La Trailsinneuse. La même chose. Bon, nous allons essayer de pulvériser les gens. Hein. Ah, c'était très mauvais ça. Donc on les suit de près et on leur rend dans les fesses. C'est pas de la sodomie, c'est des voitures. Encore. C'est bon. Une fois que t'es premier, tout est correct. J'essaie de me concentrer le plus possible. Disons que ça fait un petit bout que je n'ai pas joué à ce jeu. Ça fait un bout aussi que j'ai pas fait des vidéos. Donc, ouais. C'était facile. J'avouerais que sans les mains. Non, ben là en fait c'est déjà fini. Donc oui, c'était easy. Cette fois, on va essayer d'y aller avec une catégorie un peu plus rapide. La X. J'aime bien rouler avec du rapide. Donc lançons-nous avec cette belle Porsche que je ne me souviens plus le nom. Une Porsche, ça me gratte le sourcil. Non, ça me pique le sourcil, désolé. Ah, parce que ça serait bizarre quand même. Ok. Donc. Le sprint des plaines nord. Toujours aussi séduisant comme. C'est la grosse merde. Bon. C'est parti. C'est parti. Oh, merde! Oui, bah vous avez pété ma Porsche. Dégagez. Ouais, je suis un peu nul. Oh putain, qu'est-ce que c'est, je me suis mis sur le reclon. Bon, écoutez, c'est pas la meilleure. Hein. Pour l'instant, je vous avouerai que je prends plein la gueule. Vous ne l'avez pas vu. Mais ça m'empêche pas de me rattraper aussi rapidement que je me suis planté. Ah merde! C'est quoi? Ouh! Je vous avouerai que j'ai pas trop vu venir. Hein. Ça commence à passer. Wouh! Non, là, il faut qu'on fasse un peu de drift. C'est parfait. On s'en sort bien. C'est pas vrai, je connais. Ah, ben c'est vrai, finalement, on s'en sort bien. En plus, il mouille. Donc, ça glisse.
Parce que si je serais, si ça serait à moi la Porsche, je serais pas content. Ça fait du bien de changer un peu de jeu parce que avant je jouais juste à des jeux de guerre. Bon, un peu à Rocket League, mais c'est pas pareil, hein. C'est pas un vrai jeu de où est-ce que je suis. Un vrai jeu de course. C'est un jeu de sport. Sport courtial. Les prochaines vidéos, je vais essayer de trouver des partenaires de jeu, hein, pas sexuels. Sinon, oui, parce que c'est un peu poche, jouer tout seul avec une Porsche. Non, ça n'a pas à faire de la Porsche, mais c'est un peu poche jouer tout seul, donc je vais essayer de trouver des partenaires de jeu pour pouvoir, je veux dire, d'autres joueurs qui pourraient enrichir nos conversations de voiture. Parce que nous ne connaissons rien en voiture, et c'est tout à fait normal, parce que on s'en bat les couilles. C'est ça. Grand Duracell. Dis 10 000, ouais. Ça donne quasiment le faire nos courses. Ah, un petit tirage. Qu'est-ce que je vais gagner? Oh, désolé, c'est de la grosse merde. J'ai failli être ému. C'est de la grosse merde. Faut que je fasse de quoi parce que là, ouais, c'est un peu triste quand même. Donc, ce que je vais faire pour me consoler, c'est pas ce que je veux faire. Je vais acheter des tirages. Oui, merci. Oh, ça c'est bon, vraiment, ce que je veux. Non, on va recommencer. Une dernière shot, juste pour être sûr. Et il faut réussir. Ça implique l'année. 40 000. C'est le pire en pire. Hein. On va rester une dernière shot juste pour. Parce que je suis déçu encore. Allez, allez, allez! Ouais! On a gagné une Mustang! C'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. C'est le Silver Sand, j'ai aucune idée c'est quoi, je pense que j'ai déjà fait, mais je m'en souviens plus, donc on va le refaire. Ça va être parfaitement faisable et regardable. Le but c'est que ça soit regardable, faut que ça soit faisable, faut que ça soit regardable, parce que si c'est pas regardable, pas besoin de. Non, j'ai rien de scientifique pour ça. Oh! Là, pardon, j'ai quoi scientifique? Scientifiquement, si tu prends une voiture à cette vitesse, tu meurs. Voilà. Ah! Faites demi-tour. Dans la vraie vie, si tu vois un gars faire un demi-tour comme ça, mon gars, tu appelles la police. Tourner à gauche. Donc, c'est parti. La cross country de Silver Sands. Fiez-vous pas à mon anglais. C'est parti, on y va. On va se chier partout dessus. Ça va très vite pour l'instant. Hein. Je sens la vitesse en moi. Non, en fait, je sens rien. Mais c'est bien. J'aime bien les courses où est-ce que tu peux aller dessus la terre et prendre des voitures. Non, ça c'est pas dans les inventaires de ce que j'aime. J'aime bien ce genre de course quand il n'y a pas de phare. Aussi, les maisons, c'est chiant aussi. C'est bien les courses où ils sont dans le sable parce que moi dans la route, j'avoue, je m'ennuie. Et je suis en train d'oublier mes vitesses totalement, donc j'étais en train de perdre la vitesse. Oh, ok, c'est bon. C'est destructible.
On sait pas ce qui se passe, l'eau nous ralentit, il est mouillé, ou il est juste de l'eau là, naturellement. Là, c'est très important de savoir que des voitures, ça roule. Tabarnoun! C'est un détour. C'est tout à fait normal, ça arrive souvent. Et tu veux... Non, ça a coupé au montage de toute façon, donc on s'en va les couilles. Donc on prend le virage tout à fait normalement et on essaye on a quand même réussi à passer. Ok, donc là j'ai pas fait le bon bouton. Je voulais. Là c'est encore pas le bon bouton. Je sais plus quel bouton utiliser. Ah, faut aller là-bas. Tasse-toi s'il te plaît, sinon je te mets un coup de poing. Ils s'en foutent des coups de poing, mais moi aussi en fait, je vais pas te donner des coups de poing, je peux pas. Sinon je le ferai. C'est bon, c'est de l'eau. J'avais soif en plus. C'est un peu salé. Ah, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la course. Personnellement. Donc, ah, j'avais raison en fait. Oh putain! Ben, c'est là qu'il faut aller, hein. Je savais qu'il fallait là. Je savais, c'est juste que je n'ai pas été. Ça arrive, hein. Ils vont être très vite. J'ai eu l'impression qu'ils savaient nager. 30 secondes. Allez, roulons sur l'eau. Nous sommes des aquaplanes. Des voitures. Ok, donc là, on va essayer de rouler sur le sable. Le Silver Sand. Parce que ça va beaucoup plus vite et que la course va bientôt finir. Et que c'est un jump? Oh oui, un jump. Ouh! C'était vraiment pourri. Mais, peu importe, même le débutant de jeu, il aurait fait. Oh, de la merde, donc, encore une course gagnée successivement. On s'en bat les couilles. C'est réussi. Un beau travail. Donc c'est déjà fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit une prochaine fois. Abonnez-vous, likez.